Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est Roro14 et aujourd'hui on se retrouve sur Assassin's Creed Révélation. Excusez-moi pour le petit bruit. Pour la suite du walkthrough. Et donc aujourd'hui on va se consacrer à la deuxième. Oui, la deuxième, je crois. La deuxième clé de la bibliothèque d'Altaïr. Donc tout de suite on va aller commencer la mission pour l'avoir. Donc je vais mettre tout de suite un repère sur la carte pour y aller. Tac, 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 elle est où cette mission? Ok, elle est là. On va être obligé d'y aller à pied parce que comme j'ai pas bloqué la carte à cet endroit là, et eh ben je ne saurais pas y aller avec un conduit. Tac. Oula, je vais dans la très réserve, je ne sais pas où je vais. Tac. Je voudrais remercier tout mes abonnés. Là, je viens de dépasser les 300 abonnés. Franchement, pour moi, c'est hallucinant. Et là, je vais mourir comme un con. Ah non, c'est bon. Non, 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 me tuez pas, j'ai rien fait. Non, 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 j'ai rien fait. Me tue pas. Est-ce que j'ai de la potion? Forcément, j'en ai plus. Y a pas un médecin dans le coin? Non. Pas, on va essayer de pas mourir. Franchement, c'est à toi. Donc remercier mes 3, mes plus de 300 abonnés. Franchement, c'est vraiment, j'ai toujours autant sur le cul qu'au début. Même si pas si pour d'autres youtubeurs, bah 300 abonnés c'est rien. Pour moi, c'est énorme. Je voudrais vraiment vous remercier. Vivement les 500. Je vous ferai une vidéo, une petite vidéo spéciale, une playlist avec plusieurs vidéos délire. Délire, gameplay, sur un peu tous les jeux, Battlefield, Senro, MW, bien sûr, et d'autres jeux. Pouce vert obligé. Un petit pouce vert sur les vidéos, ça serait pas mal. Hein. Dis ça au bon moment en plus. Donc voilà, ouais, merci encore à mes 300 abonnés, franchement. Ça fait très plaisir d'être suivi par des personnes. En plus, mes abonnés ont l'air très actifs sur mes vidéos, à regarder mes vidéos et tout. C'est plutôt encore plus sympa. J'essaie de vous sortir un max de vidéos. Là, cette semaine, j'ai pas eu trop le temps. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, j'ai pris un petit peu de retard dans Walkthrough et tout ça. Mais vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Et là, je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller. Ah, les Miss Grenichon. La roue fortune nous a réunis. Deux Italiani, seuls et perdus en Orient. Ne ressentez-vous pas ce magnétisme? Je ressens bien des choses, Messere. De la nausée en particulier. Cet homme vous importune, Sophia. Pardonnez-moi, Messere. Mais je disais à cette dame... Ah! Ah! Il diavolo, une personne! N'approchez pas! Duccio. Comme on se retrouve. Fuyez, Bonadonna! Sauvez-vous! Qui était-ce? Un cane. Il était fiancé à ma sœur il y a bien longtemps. Et que s'est-il passé? Son cazzo était déjà fiancé ailleurs. Chiedovenia, que venez-vous faire à cet endroit? J'ai interrompu mon travail pour récupérer un colis. Mais ils disent que les papiers ne sont pas en règle. Donc j'attends. Que c'est Katura? Tout cela peut durer des heures. Laissez-moi vous aider. Il y a des règles que j'ai appris à contourner. Vraiment? Si. Je vous retrouverai à la boutique. Entre certainement, sans vous faire repérer. Donc là, on va récupérer un livre, je crois, un bouquin ou un parchemin, il me semble. Je ne sais plus. On va voir tout ça tout de suite. Ouais, bon, c'est bon, je suis total déjà. Je suis à peine arrivé, je me fais repérer. Je suis vachement discret, on sent que bien en jeu. Bon, allez, on va plonger. Oh, tu as un fusil carrément. Ne le perdez pas. Tu vas monter, toi? Ah, ok, il faut retrouver le parchemin. Sophie,
Oh bah PGM. Interagir. Ah, je dois être anonyme, sérieux. J'aimerais bien être anonyme là, ça serait plutôt pas mal. On va le barrer. Ah si, c'est bon. Regarde d'ailleurs ça. Ok. C'est bon. Ah oui, tu viens de faire un suicide en direct. Et mort de la vie. Pourquoi je peux pas monter ici? On va essayer de monter là sans se faire repérer. Et grimpe toi. Coucouille. Oh là 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 là. Ah, il est doué en tout, Ezio, mais il est pas doué en nage. Ou alors c'est moi qui suis pas doué avec les boutons, je sais pas. On devrait enfermer des aliénés comme lui et balancer la clé. Ah, regarde ailleurs toi, regarde ailleurs, je suis pas là. Je l'ai déjà vu quelque part. Oh putain, y'a pas un endroit où je peux monter là. Je connais cet homme, j'en suis sûr. Ah si, ça y est. Et grimpe toi. Regardez ce qui se passe là. Oh là là là. Allez. Ah, faut monter plus à ça forcément. Il n'y a rien. Je devrais peut-être me détendre. Interagir. Ah voilà, et je suis incognito. On va pouvoir interagir. Voilà, nickel. Ah, tu vois, ok. Allez, hop. Allez, les tireurs d'élite en plus. Voilà. On va rendre le livre là. Le parchemin à Madame Sophia. Miss Grenichon. Oh, forcément, je me retrouve derrière la grande, grande palissade. Voilà. Toc. Remonter. Voilà. Oh, toi, mange mon assassin, toi. Oh, t'as raison. Ah, habite-toi même, putain, elle est à 300. Critique pas ma mère, toi, sinon je t'éclate. Je suis dans les jupes de ta mère, il me dit. Ok. On va élever. Hop. Hop. Ok. Monter. Oh, c'est tombé, les escaliers juste à côté. T'es, j'aurais pu faire des voitures quand même. Des voitures ou des motos, ou je sais pas moi, des petites charrettes avec des chevaux ou une conne comme ça pour se déplacer. C'est vrai que des fois, putain, c'est un peu chiant. On se peut taper toute la map. Alors, c'est une belle map, hein, mais. Oui, il nous a fait un truc là. Ah, ouais. Bonjour Ezio. Alors? Madame Igella Sofia Sartor Libraia, Constantinopoli. Oh non, il est endommagé. Comment l'ont-ils mis dans un état pareil? Bien, elle a l'air intacte. Oh, magnifique. C'est une copie d'une carte de Martin Waldseemüller. Vous voyez? Les nouveaux territoires décrits par Messer Amerigo Vespucci.
Pauvre Cristoforo Colombo. L'histoire s'écrit d'une étrange manière. Et que dites-vous de cette immense étendue d'eau ici? Un nouvel océan, peut-être. La plupart des érudits que je connais pensent que la taille du globe est sous-estimée. Incredibile. Plus nous en apprenons sur le monde, moins nous le comprenons. Bien. Vous avez tenu parole. À moi d'honorer ma promesse. Si nous avons vu juste, ceci vous indiquera l'emplacement du premier livre. Je vous avoue que je rêve du jour où je verrai enfin ces livres. Toute cette sagesse que le monde a perdue, nous devons la lui restituer. Je pourrais en imprimer quelques exemplaires et les faire circuler. Une petite cinquantaine, ça devrait suffire. Perché ridi? Pardonnez-moi. Votre passion est si noble et originale qu'elle m'emplit de joie. C'est même exaltant. Grand Dieu, que répondra cela? Grazie, Sofia. Je reviendrai. Je crois qu'Etsu, il mettrait bien un petit coup d'épée à Sofia. Je veux pas dire, mais... Hein. Donc là, il nous a, elle nous a donné... Non ! Oh, fais chier, putain. C'est bon. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non. Ouf, j'ai eu de la chatte. Je tenais à préciser aussi que... Bah, la team Wofka, la team dont je fais partie... le recrutement, pour l'instant, est terminé. Il en est au complet. On attend. Mais on fera. Je posterai de temps en temps sur ma chaîne des open lobby. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être recrutés. J'ai pas pu recruter tout le monde. C'est vrai que j'ai reçu pas mal de demandes sur Facebook. Pour l'instant, on est au complet. Donc voilà. Je ferai des petits open lobby. Non, qu'est-ce que tu fais, toi? Je t'ai demandé de sauter! Je t'ai pas demandé de sauter! Non, putain, faut que je remonte. Donc là, team maintenance est composé de Sansuken, de Thibaut 80, de Bulrod 14, de Neo Simis, de Taser Val, de Nawash, si je prononce bien ton nom. Tac tac tac, attendez, il y a qui d'autre déjà? Thibaut, j'ai plus une en tête, je les ai pas sous les yeux. J'ai pas envie d'oublier personne. Ah oui, et de Killer, alias Thomas. Désolé Thomas. Alors attendez, on va synchroniser ici. Et de Killer, donc pour l'instant on est au complet. Je vais vous poster des vidéos incessamment sous peu sur des petits matchs qu'on fera, qu'on a fait ensemble. Les petites parties, là on est en train de se roder un petit peu. Voir la façon de jouer tout le monde quoi. Pour être en harmonie on va dire. Donc là on va chercher les livres de Nicolo Polo. Donc oui, j'active la vision d'aigle. Voilà, je l'ai repéré. Donc il y a un livre caché là-bas. Retrouvez le livre. Ok. Alors est-ce que vous croyez si je saute ici, il y a un moyen que je meure? Ah, c'est bon. Oh, le saut de l'aigle qui dure 3 plombes. Saut de la foi, pardon. Donc, on va aller chercher le livre. Ok, au-dessus. Allez, grimpe-toi. Vieux papy, là. Alors, j'espère que la petite vidéo de Senro vous a plu. J'en ai pas mis d'autres pour l'instant. Faut que je fasse quoi, là? Ah, faut que je mange, je crois. J'en ai pas mis d'autres pour l'instant parce que j'attends que Thibaut
le prenne. Parce que comme ça on fera des petits visual commentaries. Un peu délire. Des petites vidéos détente dessus. À deux c'est toujours plus marrant. Donc voilà. Donc là on vient de trouver un livre. Un livre sacré entre guillemets. Qu'on va rapporter à Miss Grenichon. Pour avoir l'emplacement de la future clé de la bibliothèque d'Altaïr. Excusez-moi pour ma façon de commenter, j'ai un gros mal de crâne là. Je suis pas très concentré. Tac. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu montes pas. Ok. Fais la flemme. Hop, on va aller. 570 mètres. Sérieux, ils auraient pas pu me mettre ça à côté. Là, je suis où? Ok, je crois que c'est là-bas. Je crois que c'est le palais. Ouais, ça va être le palais du sultan. C'est pour ça que c'est pas autorisé. Non, non, saute pas, t'es con quoi, toi. Oh là là, je vais mourir un moment. Oh non, j'aide pas le citoyen, je vais pas recruter l'assassin. On va tout de suite. Il va dans le trou, je sais pas pourquoi. Oh, faut que je traverse la flotte et tout. Ils sont sérieux. Bon, on va traverser vite fait. Hein. En crawl. Allez, Ezio, on nage. Pour pas gagner le 100 mètres crawl, les gars. J'aurais eu la possibilité de prendre un bateau pour aller plus vite, mais bon. Ça nous aurait fait une petite cinématique en plus, et vu qu'il y en a déjà pas mal. C'est vraiment marrant parce que. Il y a le reflet des voiles dans l'eau, je viens juste de remarquer ça. Et alors, les voiles dans l'eau sont beaucoup plus. Les couleurs sont beaucoup plus belles en reflet qu'en vrai. C'est. Logique. Ouais, on accélère un peu parce que c'est vrai que là depuis tout à l'heure je traverse la map mais je fais pas grand chose. De toute façon je ferai pas une vidéo très très longue, hein. Je vais faire des vidéos de 25 minutes je pense. Voire une demi-heure. Je sais même pas combien j'en suis là. On va essayer de trouver la clé et après, on se laissera là-dessus. Ok, d'accord. Il y a une limite de la map. Oh là là, des fois il fait des trucs le vieux là. Oh, tais-toi toi. Je sais pas s'ils ont tous. Tous les collègues là qui. De la team. Je crois qu'ils veulent qu'on voit leur nom. À se connecter, à se déconnecter, à se connecter. Ah, c'est bon. Yes. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, faut monter. Ok. Faut que je me tape toute la tour là. Heureusement j'ai le crochet, hein, parce que sinon je galère. Ok, faut aller par là. Allez. Rappe-moi ça. Quand même magnifique ce jeu,
C'est vraiment un des jeux les F. Vraiment un très 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 beau jeu quoi. Ah. Ah, je crois que c'est une caverne pour la clé. La future, la prochaine clé de la bibliothèque d'Altaïr. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Après, il va y avoir un peu plus d'action, ça va être plus sympa. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça devrait être ça. Vu l'endroit, je pense que il y a moyen de récupérer une clé. Terminé à moins de 6 minutes. Ok. Eh bien, c'est quelque chose. Ah ouais mon gars, ça c'était sûr. On va pouvoir faire le PGM. T'es prêt pour Indiana Jones? Oh, oh merde, attention, c'est passé. Ah, fais-moi le malin, là. Fais-moi le malin. Ça, c'est de la grotte, ça. C'est pas de la grotte de... Hein. Oh, le saut qu'il a fait. Pile pour le bon moment. Attends, jusque là. Est-ce qu'on peut y aller? Quand même bien faire hein. Au moment où il saute le truc s'effondre. Petit peu de tyrolienne. J'adore ça. Je pense que c'est ce nouveau truc là qu'ils ont mis là. C'est vraiment du vraiment marrant. C'est très fun. Pour aller chercher la petite. Elle est sortie, je veux dire. Essayer d'enchaîner ça le plus possible. Faire quoi du combattant? Monte-toi. Ah, on monte pas, va sur le côté plutôt. Les parcours qu'ils nous font faire. Je pouvais en chercher tout ça. On entendrait les soldats comme ça, putain. Soit tu fais l'entraînement sombre, soit tu meurs écrasé dans une crevasse. Je suis sûr qu'ils seraient plus motivés, les gars. Ça, c'est du parcours du combattant, en fait. Oh, stylé, on passait à travers la flotte et tout. Magnifique. Il est vraiment très beau ce jeu. Ça arrache qui de quoi? Wow.
Ah, dis donc, il est encore. Encore bien taillé, le vieux, pour son âge. Il va faire de ses trucs. Ouais, il y a un courant de malade, mais il est pas emporté. Ça, c'est un peu marrant. Je croyais que je vais le faire en 6 minutes, franchement je sais pas. J'ai perdu un peu de temps au début. On verra bien. Comme je vous ai dit, je suis pas là pour faire de la synchronisation totale dans le jeu. Je suis plus là pour vous montrer le maximum de choses en minimum de temps. Putain, elle est grande la galerie. C'est plus une galerie, c'est une crevasse. Ouais, sur Minecraft. Ouais. Mais pas en bas, t'as tout dit. Nous sommes dans les souterrains. Ah, tu te fais en 6 minutes. Hein. C'est faisable, c'est faisable. Ah, voilà. La seconde clé de la bibliothèque d'Altaïr. De Massif. Magique, magnifique. Et j'ai terminé le niveau en moins de 6 minutes. Ça, c'est encore mieux, ça. Petit chargement, je vais regarder à combien j'en suis. Ouais, j'en suis à 28 minutes 30. Je pense qu'on va faire le souvenir d'Altaïr et ensuite on se quittera là-dessus. Normal. Normal, il y a un gars en pleine rue, il sort des égouts. Les gens disent rien. Il voit ça tous les jours en même temps. On va aller le repère tout de suite à la maison. Voilà. Repère des assassins. C'est où? C'est par là. Soyez vigilants! Ils doivent être éliminés! Toc. Ouais. Au repère, hein, notre, notre camp de base, on va dire. Oh. 150 mètres, putain. Ok, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est bon, c'est passé.
Est-ce que je vais pouvoir monter au-dessus? Ce serait plutôt pas mal, ça. Non. Forcément. Qui s'étend insidieusement et corrompt peu à peu. Non, non, je trouve. Tu as arrêté de raconter des conneries, là. La longueur de journée. On va monter sur le fil. Voilà. Tais-toi, femme. Oh non, je plaisante. Ah, voilà. Il y a la classe, notre père, quand même. Hein. Bon, il y a plein de tapis au plafond. Je sais pas pourquoi. Il y a la classe. Interagir. Voilà. On va procéder maintenant au second. La seconde mémoire d'Altaïr. On va retourner dans la peau d'Altaïr pour un bref moment. Les chargements, ils sont un peu longs, j'avoue. Ça y est, ça arrive. Du coup, moi, je cours. Comme un bolos. Et je voudrais m'excuser, ouais, pour la qualité du gameplay. Parce que j'ai vraiment... je crois que j'ai le coup. Je commence à être malade. Donc, excusez-moi pour ça. Tu avais le pouvoir au creux de ta main. Tu aurais dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades et ramener la paix. Jamais. Pardonne-moi, Mentor, mais la pomme t'a corrompu. Et à travers toi, elle s'apprêtait à nous corrompre. Pour que nous puissions vivre, il fallait que tu meures. C'est vraiment fini? Ce sorcier est-il mort? Ce n'était pas un sorcier. C'était un homme ordinaire entouré d'illusions. Est-ce que le bûcher est prêt? Oui, mais... Altaïr, certains de nos frères refuseront de te laisser faire. Je m'en chargerai. Alors, réveil du mentor... perdu que 3 points de sécurité. Ok. Je me rappelle pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut emmener une autre mentor au bûcher parce qu'on vient de la tuer. Es-tu en état de voyager? J'en suis capable, oui. Malik est parti colporter la nouvelle de la mort d'un noyé. Que s'est-il passé? Je voudrais que tu en fasses autant. Forcément l'escalier, je crois qu'il est de l'autre côté. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il est mort, c'est bon. Circuler, il n'y a rien à voir. Comment en est-on arrivé là? Allez, cours! L'esprit était limpide, ça n'a pas fini, hein. De bouger. Notre mentor aurait-il causé ce chaos? Je n'arrive pas à y croire, moi, libre. Là, on doit se trimballer le cadavre du mentor jusqu'au bûcher. Mais que s'est-il passé ici? Notre mentor nous a menti. Les Templiers l'ont corrompu. En as-tu la preuve? Accompagne-moi, Abbas, et je t'expliquerai. Tes réponses vont devoir me convaincre. Je parlerai jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tu te souviens de l'artefact que nous avons pris à Robert de Sablé dans le temple de Salomon? Celui que tu devais récupérer, mais qui ne l'a pas trouvé. Oui. Un instrument des Templiers. La pomme d'Éden. Elle forge des illusions et contrôle les esprits. Une arme redoutable. Oui, il a utilisé la pomme pour asservir Masyaf,
Tu l'as vu de tes propres yeux. J'ai un cadavre dans les bras. Elle est en sécurité dans l'office d'Al-Mualim. Quand j'en aurai terminé ici, tu auras toutes tes réponses. On arrive au bûcher. On pose le papy. Et on y fout le feu. Altaïr ! Non ! Je dois m'assurer qu'ils ne reviennent pas. Mais cela enfreint nos lois ! Nous n'avons pas le droit de brûler nos morts ! Mécréants ! Écoutez-moi ! Ce corps pourrait être un des fantômes d'Al-Mualim. Je ne peux prendre ce risque. Mensonge ! Toute ta vie, tu n'as cessé de bafouer notre credo. Tu transgresses les règles à ta guise. Tu rabaisses et tu humilies tous ceux qui t'entourent. Attrapez-le ! Vous ne l'écoutez pas ! Al-Mualim a été ensorcelé. Oh ! Ah, ce Altaïr, qu'est-ce qu'il était costaud. Il vient de se taper une chute de à peu près 10 mètres sur le dos. Il va se lever, il aura rien. Faire quoi là ? Tu ne peux pas faire tout payer pour tes erreurs. Merde ! D'accord ! Gagné. En fait, on doit désarmer les assassins. Vu que c'est des collègues, bah, on va pas les tuer, on va juste les désarmer. Juste pour les calmer. C'est pas la peine de me tuer, on peut s'arranger. Mon père, pourquoi ne pas laisser partir ? Ne t'approche pas de moi. Voilà. Libérez-moi, pitié. Encore un. Inutile de me tuer. Hop. Je m'en vais. Désarmer. On va pas faire de mal à nos frères, quand même. N'avais-je pas raison, Altaïr ? Abbas ! Non ! Que pensais-tu provoquer en assassinant notre mentor bien-aimé ? Tu haïssais Al-Mualim plus que quiconque ! Tu le tenais même pour responsable du suicide de ton père ! Mon père était un héros ! Il est trop tard pour ressasser le passé ! Nous devons décider quoi faire de cette arme ! Quoi que cet artefact puisse provoquer, tu n'es pas digne de l'utiliser. Personne ne l'est. Oh, elle est magnifique, en effet. Donc l'autre, oui, c'est fait un... Ah, c'est la vraie merde, ça. Parce que la pomme, en fait, nous... c'est super chiant. Parce que la pomme nous repousse à chaque fois, donc... Là, l'autre, il a le gogol, il est en train de se tuer, là. Ce qu'il faut faire. L'autre gogol il est en train de se tuer, en fait il faut aller le sauver. On va grimper sur la tour. Et c'est le problème, c'est que grimper sur la tour pendant que la pomme elle se charge, c'est pas super facile. Waouh, j'ai cru que j'allais tomber. C'est chiant, putain. Allez, grimper le tailleur, vite. Grave. Oh, ça pique. Non, descends pas, monte. Non, qu'est-ce que tu branles, toi ? Coucou, il va. Oh là là, là là, quel bide ce mec. C'est monter et pas descendre, ce serait bien. Forcément. On se va se taper une chute. Allez, grand. Non. Oh, est-il arrivé ? Ils sont morts ? Ah, voilà. Altaïr, le PGM. Je le savais.
As-tu des choses à nous apprendre ? La pomme des... Ou bien provoqueras-tu notre perte ? Ouais, mais il a appuyé sur le mauvais bouton, l'autre. Il y avait la classe quand même, hein. Par rapport à l'autre Ital, là. Qui pense qu'à... à vouloir fourrer son épée dans Madame Sophia. Alias Miss Grenichon. Altaïr, tout juste 26 ans, et déjà grand maître d'un ordre divisé. Comment peut-on vivre avec le poids de telles responsabilités et un pouvoir sans limite ? Qui dis-tu ? Bon, voilà. Bah, je pense... Qu'est-ce que c'est que ça, le flash, là ? Ah. Ça pue la désynchronisation, ça. Mémoire synchronisée, séquence 4 terminée. Ah, nickel. En plus, je termine une séquence avec vous, Lio. Donc, voilà. Je pense que je vais vous laisser. On va cesser là-dessus. Comme ça, on termine la séquence. J'ai fait la connaissance d'un prince ottoman nommé Suleyman. C'est un jeune homme intelligent, animé d'une détermination si rare pour son âge. Je vais suivre son conseil et enquêter sur des janissaires qu'il soupçonne de comploter avec les Templiers. Avec un peu de chance... ils me mèneront à leur chef. Pendant ce temps, mon amie vénitienne, Sophia Sartor, continue de m'aider à localiser les clés de Massiaf. C'est une femme appliquée, pleine de passion et d'énergie. Sa compagnie m'enchante. Mais je n'ose lui expliquer la raison de ma présence ici, ni ma véritable vocation. Ceux qui ne s'engagent pas volontairement dans notre combat ne devraient jamais être contraints de s'y impliquer. Donc voilà. Chaque fois, il écrit une petite lettre à sa sœur à chaque fin de séquence. Nous arrivons à la séquence 5. Et on va se laisser sur ce début de séquence. On se retrouvera bientôt pour la suite. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, désolé pour la qualité du gameplay. Là, je suis complètement out avec mon mal de crâne. Je pense à couvrir la crème. Donc bon bref, je raconte ma vie, tout le monde s'en fout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un petit commentaire en dessous de la vidéo. Un petit pouce vert. Comme dirait Thibaut, et obligé, un petit pouce vert. Et petit dédicace à toute la team Vovka, hein, qui est au complète enfin. Et on se retrouve bientôt sur MW3 pour plusieurs gameplays en compagnie des autres membres de la team. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu et que vous voulez continuer à me suivre et à me soutenir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous parce que là, je l'enregistre, il est le soir. Si vous le regardez la journée, bonne journée à tous. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao tout le monde!